Bonsoir YouTube. Bonsoir YouTube, c'est la fatigue. J'espère que tu as bien apprécié cette petite vidéo de Squeezie que tu viens de regarder. La vidéo du Mantis n'est même pas sortie, qu'on est déjà de retour aux affaires. Et moi je vais baisser le son chez moi. Pourquoi j'ai l'impression que mon son est plus fort que d'habitude. Merci Quasar42FR qui subprime. Bravo. Nous allons donc enchaîner avec le Crystal R aujourd'hui. Oui, la dernière fois j'ai mis ma webcam là. Je sais pas si vous aviez gueulé, mais si vous n'y avez pas gueulé, vous auriez dû. Parce qu'évidemment, je cachais la batterie. Il faut se mettre en général entre les armes et les drones. New game, putain, l'écran est placé bizarrement. Ok, je replace mon stuff. Très important les APM hein, sur FTL. Incroyable. Merci Tyriandre. Qui sub. Alors, on a dit Crystal A. Alors, qu'est-ce que c'est que le Crystal A? Incroyable, mais vrai. Ça y est. Nous allons jouer des Crystal Men. Donc, nous avons un vaisseau qui a deux âmes uniques. En effet, le Crystal Burst marque 1, 2 de puissance, 15 secondes de charge. C'est un peu long, mais ça tire deux fois. Ça passe à travers un bouclier. Ça peut faire de la brèche. Et du stun. Alors que le Heavy Crystal Mark 1 qu'on avait déjà testé sur le Rock B ou C... chargeant un peu plus rapidement, effet 2 de dommage est un heavy laser avec les mêmes propriétés de perçage de bouclier. Ça peut très bien se passer. On a également la vengeance cristal. À chaque fois que mon vaisseau prend des dégâts, il y a 10% de chance qu'un éclat parte de mon vaisseau pour revenge sur l'ennemi pour débloquer la boule magique. Merci à Shishayu Miyamoto, le papa de Mario, qui nous host. Des bisous, Shishio, merci beaucoup. Pour débloquer le Crystal B, il va falloir faire 2 sur 3 de ses achievements. La Sweet Revenge, détruire un vaisseau ennemi avec un éclat, justement, venant de la Vengeance Crystal. En utilisant le Crystal Cruiser, piéger 4 équipages ennemis dans une seule pièce en utilisant ou bien le pouvoir des hommes cristaux ou une bombe de lockdown. Évidemment, les Crystal Men qui ont 125 de vie, qui ne subissent que la moitié des dégâts d'asphyxie. Ils sont un peu lents, mais surtout, ils ont un pouvoir spécial, celui, comme la lockdown bombe, de condamner une pièce avec des cristaux pendant une quinzaine de secondes. C'est fort. Et Clash of the Titan détruire 15 vaisseaux rock. Les pirates comptent avec ce vaisseau. Très bien. Regardez comme il est beau. Ah zut, on peut pas le nommer selon cette superbe... Ah, Kaoru, des bisous. Salut Timothée. On ne peut pas... Ouais, on va se concentrer sur les deux premiers achievements. 15 rock, faut les rencontrer, c'est pas évident. On peut pas, oui, surfer sur cette superbe contrepétrie, évidemment. Il ne faut pas qu'on confonde le Coca-Cola au glaçon et le caca collé au caleçon. Trop long. Trop long pour le nom de vaisseau d'FTL. Terrible. Merci beaucoup, Amigos27190 qui sub. Bienvenue. Merci à tous les resubs. Incroyable. On va l'appeler la CD parce que... Non mais non, ça va trop loin. Parce que je repensais à cette chanson insupportable de Coxy. Garçon, si t'enlèves la CD, ça fait Garcon, Garocon, ma fille. Mais le glaçon, si t'enlèves le CD, ça fait Glacon. Ça veut pas dire grand chose. Bon, vu que j'ai aucune idée, du coup, Coxy, c'est pas du RNB, mais j'ai pensé au RNB, alors RNB de rue. RNB de rue, on est parti. Nous avons donc, bien entendu. Allez, moi, voilà, normalement, avant, on mettait pute, Seven Saga, c'est loin, maintenant, les gens comprennent pas. On va rendre hommage à Julien C, j'aimerais rendre hommage à ce compatriote, youtubeur. Marufa, évidemment. Ah oui, alors les Crystal Men, comment Julien Dorcel. Julien Dorcel, parce que c'est elle, Julien Dorcel, pour le plaisir. Et Julien Dorcel, c'est des bijoux, c'est pas du tout... pas du tout cristal, les cristaux, c'est Swarovski, non? C'est comme ça? Ou il y a un Y? Oh, je sais même pas. Non, le cristal. Crystal Met. Boule de cristal.
Meuf et boule, la boule le gong en plus. On rend hommage évidemment à la grande télé, et aux faits divers dans la région de Niort. Merci beaucoup Cosmo Canyon qui subprime. Très lucide. Et Marc Dorcel bien sûr. Alors, on n'a pas la salle de TP dès le début. Ça c'est terrible. Avec le Crystal B on l'a, hein. Crystal B on peut tricher assez vite. Crystal A on n'a pas la salle de TP. Alors qu'évidemment, ça nous intéresse. L'humain Marufa est au moteur. Et c'est pas si mal vu que dès qu'on aura la possibilité de TP, on aura envie bien entendu. Détresse, saut, nébuleuse magasin, c'est pas mal. La boule magique. J'ai pas chargé mes armes, c'est intéressant. J'aide. Mais on n'a pas réussi à aider, on n'avait pas. Tellement c'était magique. Les fameux events où on peut avoir des choix bleus avec les Rockmen ou les NG. Merci le TIF pour les 5000 euros alors que Dorelon sanglot. Voilà pourquoi il faut que je mette les top chia avec donné 30 000 euros. Merci pour les 30 000 euros Dorelon sanglot. Merci les TIF pour les 5000 euros. Parasiti à Subprime. Sur la Russe à Subprime. Tellement magique. Tellement magique. Donc c'était de la merde ce distress. Merci Fen14 qui Subprime. On va intervenir. Alors voilà. Normalement avec ce vaisseau. Le premier secteur, c'est beaucoup de plaisir. Car évidemment, on va avoir des vaisseaux qui n'ont qu'un bouclier. Donc vu que nos armes passent automatiquement à travers un bouclier, c'est beaucoup de plaisir. Ça, c'est moins beaucoup de plaisir. La boule magique. Voilà. Non, mais c'est chiant. Ça fait ça. On va attendre que les ions se terminent, voilà. Donc on n'a pas eu la revanche, hein. J'ai pris un point de dégâts, il y avait une possibilité que donc j'envoie en revanche un éclat de mon propre vaisseau. 3 essences, 1 drone, 8 parts, c'est... Oui, c'est plutôt un bon premier loot, dommage que la détresse n'ait rien donné. Est-ce que j'ai le temps de faire ça? Puis nébuleuse pour aller au store, la boule puis du magique. Store à là, oui 1000 fois. Merci LZV, t'es sub. Qui sub? Mister Xav, donc, qui est sub. Oui, j'ai le civil, il y a les deux possibilités de double récompense encore. Le programme reste le même. Casser les culs. Vous voyez qu'il y a une jauge bleue, hein, c'est pour ce fameux pouvoir spécial. Tiens, on va l'utiliser. Incroyable, il s'enferme dans les shields. Il s'enferme dans les armes. Useless as fuck. Paf, c'est cassé. Du coup, c'est touché. Bonsoir. La fatigue. Incroyable. Quand même, hier, une belle journée. Comment dire ? 12 heures. 12 heures de déménagement et de vidage de cave. Ah, il y a détresse. Ah, du coup, le programme pourrait changer. On va aller au magasin tout de suite. Quoique, est-ce que j'ai besoin d'aller au magasin tout de suite? En vrai, le vaisseau, il est OP, hein. Faisons plutôt détresse et on va farmer en bas après. Ah, Shani Dune. Ouah, c'est quoi? Elle vient d'où, cette emote de Shani? Ah, c'est toi qui l'as, putain, Shani. Le gros crush de Dune sur PC. Magnifique. Art. Oui, que se passe-t-il? Je t'invite à rejoindre, à me rejoindre. Oh là là. Alors que ma bite est un Zoltan. Un Zoltan qui est déjà expérimenté en armes. Et qui va alimenter bien évidemment notre vaisseau d'un d'énergie. Bravo. Bon alors par contre il est très éloigné. On aurait presque envie de laisser un Crystalman de son côté. Mais on va le mettre à la seule... Bah non, on va le mettre aux portes plutôt qu'au senseur. Parfait. Perfect. Et donc nous dropons sur la nébuleuse. Un pirate arrive juste après toi. Il essaye d'esquiver notre vaisseau. C'est juste un contrebandier qui essaye de rester loin des balises. Casser la gueule.
Bien entendu, il y aura un missile à éviter. Hallucinant. Bon, j'ai... Voilà. Vu que j'étais fatigué, je me suis dit FTL. Quand on est fatigué, FTL, ça passe tout seul. C'est un beau moment de liesse. Ils vont essayer de s'en aller. On n'est pas trop d'accord avec cette histoire. Et j'entends des flammes. C'est très correct. Mais on va essayer d'avoir mieux. J'ai assez d'essence pour refuser ce deal. Ah, c'est beaucoup mieux. On va se faire des couillonnes. Soit missiles qui m'intéresse pas du tout. Mais... Déjà 21 scrap, c'est beaucoup pour un secteur 1. Et en plus, on va se gaver. Oui, c'est vrai que j'ai récupéré un d'énergie gratos grâce aux Zoltans. Formidable. Le swarm ne vaut pas si cher parce qu'il n'utilise pas... Je crois que même si on tire 3 charges, on n'utilise qu'un missile. C'est juste long. Et puis les lance-missiles, le problème des lance-missiles dans le jeu, c'est que ça se fait choper par les drones, quoi. Alors qu'une bonne bombe... Incroyable. Pour aller au magasin, mais après c'est la PLS. Donc pas worse du tout. Et c'est pas précis, c'est vrai. On pourrait lui demander de repousser les rebelles pour être sûr de farmer un maximum. Mais je crois que j'ai plutôt y casser la gueule. Je vais prendre le combat garanti. La boule magique. On aurait pu en vrai. Hein. On est secteur 1, ça vient de commencer. Aïe, aïe, aïe. La brèche. C'est un excellent bruit, c'est une très belle nouvelle. Ce serait marrant de voir le revenge. Enfin, 39... Non. On sait maintenant hein, que des fois, en refusant le deal, il peut se passer des choses formidables. Alors que le thème que vous aimez tous de Ben Prunty, Clodo de l'espace, est en cours. J'ai maigri, je suis pas sûr. J'ai fait beaucoup d'efforts ces derniers jours, mais bon. Alors figurez-vous que là où j'ai déménagé, je vis à 3 minutes d'un McDo. Et j'ai également 3 kebabs à moins de 4 minutes. Je pense que c'est le moment de ma vie où je dois faire le bon choix, celui de devenir vegan. Sinon, ça va très mal se passer. Comment ça? Payer? Jamais. Ah, les âmes cristal, oui, c'est du grand plaisir, hein, premier secteur. Merci beaucoup, Olam, qui a ce prime. Qu'est-ce qui se passe? Tain, mais qu'est-ce qu'ils ont, là? Par contre, ça focus mon bouclier. Ah bah tiens, c'est un Rockman. Je rappelle qu'on a un achievement débilos impossible à faire. Tuer 15 vaisseaux Rockman. Il essaie de s'en aller. Pas glop. Par exemple. Ils font des salades chez McDo. Oui, non mais... Si tu veux manger une bonne salade, tu vas... tu vas en dans une bonne brasserie où tu te la fais toi-même. Tu vas pas prendre une salade chez McDo. C'est la misère sexuelle. Jamais, vous m'entendez, jamais nous ne laisserons un de nos membres devenir un esclavagiste. Mais ils ont que des bims. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ils m'envoient personne, même pas un boarding drone. Super. Alors on pourrait... Non, on peut même pas XP contre ce vaisseau. Ce vaisseau est useless. Ce vaisseau, par contre, découperait le stealth C qu'on jouera bientôt.
Ça, vous rencontrez ça avec le stealth C, c'est game over. Reset, hein. Même pas besoin. Même pas besoin de regarder. Maxwell, qualité filtre. Alors du coup, on a tous envie de les envoyer au shield. On a déjà les deux ultans. Je pense que c'est obligatoire. Légumarde. On en parlait justement des légumes. Bah tant pis, hein. Pourtant ma bite était déjà bien expérimentée aux armes. Mais là, y a pas de débat possible. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment économiser comme des ouf au secteur 1. Secteur 1 qui était pas ouf. La boule magique. Très bien. Non. 19, ça va quand même. Est-ce qu'on grid déjà? A-t-on intérêt à grid? Si je me mets le deuxième bouclier. Ensuite, on peut attendre l'éventuel magasin, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe au prochain secteur? Il y a un secteur NJ. Ensuite, il y a toujours le problème de se prendre le putain de ASB de merde. En fait, j'ai pas trop d'intérêt à grid au secteur 1. C'est le magasin qu'on aurait plus envie de trouver. Ouais, clairement. Et on pourrait mettre le deuxième bouclier, il est vrai. Mais voilà. Alors. On va faire les deux. C'est pas très productif, mais vu le layout du secteur, finalement, je pense qu'on peut les faire, hein, et on loupera pas grand-chose derrière. Il y a ce point nul aussi, mais on va aller au store. Pas d'ASB au secteur, hein, si, bien sûr. Alors que le flak, si on veut, on peut avoir 4 Zoltans pour avoir 2 boucliers protégés contre les ions. Alors que Automated Reloader, alors que Cloaking Mind Control, bien sûr. Ça se vend 32 le Swarm. Quel plaisir. Quel plaisir, beaucoup de plaisir. C'est pas mal parce que... Enfin oui, le flak. Le flak servira quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas, il y a toujours une place pour un flak quelque part. Donc on va le prendre. Alors, maintenant le Zoltan Shield Bypass, qu'est-ce qu'on en pense? On pense qu'on va aller à l'autre magasin. Débilos. C'est trop débilos. Très bien. Merci à Chris Lone qui a sa prime. Bravo. Les drones, le crew téléporteur, bien sûr, la backup batterie, d'accord. Les long range scanners, oui. Ah mais alors... Cristal Vengeance se vend très cher. Ensuite, on aimerait bien faire l'achievement de merde. Le détruire avec un Cristal Vengeance. Ah, on aurait dû faire ça au secteur 1. En vrai, ça, je peux le farmer offline. Ouais, on peut. Ça, je peux le farmer. Tu commences une partie, tu mets l'ennemi à 1, t'enlèves les boucliers, et puis voilà, quoi. Donc ça, c'est gratos. En utilisant le Crystal Cruiser, ouais d'accord. Je pense qu'on peut vendre le Crystal Vengeance et prendre le long range scanner à la place.
C'est facile à faire même maintenant, oui, mais bon, ça sera facile à faire. N'importe quand, en vrai. Donc ouais. Non, mais on s'en fout, hein. Zoldor Shield Bypass. Ah, c'est quoi? Téléportation, mind control, bombe. Pour l'instant, on n'a rien de tout ça, La hein. boule magique. Bon, alors vas-y, vas-y. Je vends ça. C'est 40 balles. Ça vaut jamais 40 balles. C'est un problème de le vendre maintenant, si, parce qu'on va pouvoir mettre le deuxième bouclier ou aller encore faire un magasin, mais là je pense qu'il faut arrêter de fumer du mauvais shit. Je pense que j'ai quand même prendre le soleil. Alors est-ce qu'on met le bouclier? Ou Ah là là, dommage, il nous manque un peu, il nous manque 5. Ça, hein. Oui. Écoutez, moi je propose de garder notre argent. La boule magique. Hein? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah, si je me fais wipe là, j'avoue, je regretterais d'avoir grid. Ah, mais j'ai. Léon! Léon, Rab! Rab, Léon! Rab, Léon! Tout est pardonné. Tout est pardonné. Rien à branler. Alors. Pense à un éventuel Pre-Igniter, toujours. On va subir le cloak, hein. Spoiler. Donc Clément. C'est pénible. Je rêve où il y a un... Ah putain, ça a touché le laser. Du coup, il a quand même fait... Oh là là, ma vie c'est de la merde, vas-y, plutôt ça. Va bien décourter un petit peu ce cauchemar. Voilà. Occupez-vous d'autres cloqués. Non. Ils ont réparé. Oh le bâtard, allez. C'est mieux. Oh là là, quel dommage de pas être en haut direct. Les deux batailles. Détressé. Fight. C'est vrai que la récompense était un peu dégueulasse. RNB de rue. C'est juste de la baston. J'ai pas fait gaffe. Y a-t-il possibilité de double récompense? Le choix est évident. C'est celui des armes. Dans un premier lieu. Un premier temps. C'est vrai que le Pre-Igniter, bon, ce serait overkill. Mais ces armes sont longues à la détente. Hein. Là, on risque de prendre cher. J'espère que c'est pas dirigé vers les armes. Pas du tout. Samis. Superbe. Quelle ambiance. C'est vraiment tranquille au début, hein. Faut juste pas se louper sur la manière de brider son vaisseau. C'est quoi l'aspect des armes cristal MV? L'aspect des armes cristal, c'est qu'elles passent à travers un bouclier automatiquement. Un seul, bien sûr. Donc, pour le début de partie, c'est overkill. Est-ce qu'on ira voir le magasin? On peut aller voir le magasin. Bien sûr qu'on ira voir le magasin. Et ensuite, on mettra le bouclier si besoin. Donc là, voilà, le fameux... C'est là qu'on peut payer cette décision de ne pas avoir... Pris le deuxième bouclier, c'est le Burst Laser 2. Mais le cristal Heavy va tirer avant. Donc, voilà. C'est bon, c'est terminé. C'est terminé avec un petit joli bruit de breach, hein, me semble-t-il. Hein. Vous l'avez entendu chez vous, ouais.
Donc tout va bien. Alors. Pas assez cher. Quoique, on ne nous rend pas beaucoup d'essence, hein. Pas mal. Voilà qui est réglé. On va évidemment soigner nos fidèles Zoltans. Merci Gableno pour le subprime. Pourquoi oxygène 90% constamment? Et parce qu'il passe par l'oxygène. Okay. C'est vraiment des prankers ces Zoltans. Gros prankers. Bon, la question c'est est-ce qu'on fait en vrai le magasin? On pourrait dire no care absolu et on grid un max. Je pense qu'on va peut-être plutôt se diriger là-dessus. C'est-à-dire on met en ligne le deuxième bouclier, on essaie de mettre en ligne notre flak. Et je pense que c'est bien. Vous aimez les magasins, hein? Petit bâtard. Un peu dégueulasse, hein, cette histoire. La boule magique. Si je vends mon Zoltan Shield Bypass, il me manque un pour le cloak. Incroyable. Ben, c'est bien de la merde. C'est totalement bien de la merde. Drone recovery ou TP? Drone plus drone recovery, overkill. Ouais. Ah, Rurik. The High Heaven 84 pour le sub. Galithiel pour le sub prime. Non, mais je pense la TP, on pourrait. Oui, crew TP avec la cristal, les cristaux, c'est pas. Ils auront une salle de TP à deux. Je sais que le cristal B, il a une salle TP de 4. Mais je pense pas que ça, ça va être la salle de TP. Hein. Quoique, à côté de la Medbest, ce serait godlike, mais je crois que c'est plutôt par là. Si la salle de TP est à 4, je la prends. Hein. Mais il me semble pas que quand on achète, de toute façon, c'est toujours 2, je crois. Ok. Donc non. On va essayer de bien jouer tranquillement. On va faire le bilan calmement. Que se passe-t-il? Oh mon Dieu! Ainsi il y a une planète. Ah oui, en plus j'ai une medbay, j'ai pas. Oh là là, oh, ça m'ennuie. Je suis tellement ennuyé. Bon, très bien. Vous voulez nous casser les couilles? Mais vous, ils rentrent comme dans du beurre. C'est excessivement énervant. Oh là là. Va l'embêter, histoire de. Oh, je m'ennuie. Tellement magique. Putain, j'ai mes icônes sur le desktop qui arrêtent pas de se rafraîchir, ça me fait très très peur. Je vais arrêter de les afficher. Merci Nintendo Pro pour le subprime et merci Panurge pour 15 000 €. J'arrête de streamer. Oh là 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 là, Molo Kaira. On pourrait mettre fin à ce missile des plus pénibles. Merci. Regardez, c'est beau, hein. Tout le monde met du cœur à l'ouvrage. La boule magique. Non mais ma bite. Ma bite est un Zoltan. Oh, cette blague. Oh, ce prank. Alors, attendez. C'est vraiment un bel effort collectif.
Ok. Pénible. Ils seront pas venus pour rien. Merci Lucrinor pour ce prêt. Merci. Toutes celles et ceux qui rissent, bien sûr. Hommage. À 85, c'est ce qu'il nous faut pour mettre deux armes. Mais on a besoin d'énergie pour les alimenter. Continuons. C'est les intruders qui ont rendu ce combat un peu pénible. Sinon, c'était un énième combat relativement kiltrant. La boule magique. 15 000 boules. Merci Altosec qui se prime. Le signal de détresse vient d'une petite station qui orbite autour d'une planète inhabitée. Ces satellites de défense sont devenus complètement ouf malades. Et leur équipe de réparation ne peuvent pas s'en approcher sans se faire casser le cul. Oui, je vous promets de vous aider. J'ai rien du tout. Et ça marche. Sublime. Alors... ils ont de quoi spécial les Crystal Men, ils ont 125 points de vie. Oh, le Zoltan Shield Bypass, qui ne me servira à rien. Mais je vais rejeter leur offre car ils sont équipés comme des clodos. Les Crystal Men ont 125 de vie, bougent un peu lentement, résistent à l'asphyxie, pas entièrement mais de moitié, et ont un pouvoir spécial qui permet de condamner une salle en blindant les murs de cristaux pendant 15 secondes, ce qui permet d'enfermer ou de tenir à l'écart l'ennemi. Dans certaines salles. Très très bon en TP, accompagné de petits mantis ou Rockman. Je rejette bien sûr cette offre. Inacceptable. Ah mais, ah oui d'accord, c'est... Incroyable. Incroyable. Ah mais on pourrait esquiver... Oh là là, on pourrait XP. Ah mais ça fait pas assez longtemps qu'on a commencé le stream. Quoi que si. Uptime. Moubot, viens-moi en aide. Au secours ! À 40 minutes. C'est un peu mesquin, mais là, on peut XP, quoi. Quoi que XP sur un basique laser. C'est vraiment le fond du panier. Non, ce qu'il faudrait, c'est... ce qu'il aurait fallu, c'est que ce vaisseau ait deux boucliers. S'il avait deux boucliers, ce vaisseau, on aurait pu XP les armes avec. Et là, pff, incroyable quoi. Si Aireva pour le Supreme. Non, honnêtement, allez, allez. Regardez, même moi, je vous fais pas ça. Hein. Alors que je devrais. Hein. C'est pas le bon combat. C'est pas ma guerre. J'achète une salade de chez McDo. Non, mais c'est pas assez rentable. Hein. Ah, il essaie de s'enfuir. Bon, alors je regarde ça avec attention. Hein. Très bien. Alors que 109 scraps. Ouais, on va se faire plaisir. Hein. Juste dommage pour ce shop qui était pourri. Incroyable. Oui, j'ai entendu parler de votre mission secrète. Laissez-moi vous sucer le cul. Au nom de la fédération. Merci, petit marchand. Yakoyo qui se prime. Merci beaucoup. En plus, le Ion Blast, bon combo avec les cristaux, mine de rien. Parce que ça tire plus vite. Et ensuite, paf. Si le deuxième bouclier a sauté, c'est moins cher que gratuit. Alors là, j'ai envie de dire... si on veut faire un up raisonnable, peu coûteux, on fait ça. Et ça. C'est très bien. Alors.
C'est très décevant. Ah, dommage. On va penser à l'esquive aussi bientôt. Casser le cul. Un autre checkpoint des rebelles surveille cet endroit. Un certain nombre de vaisseaux civils attendent d'être inspectés. N'importe lequel d'entre eux pourrait être des loyalistes de la Fédération. Les rebelles ne vous ont pas encore repéré. Non mais moi je fais pas de pot de vin, moi je casse le cul. Bon bah là en l'occurrence ça sert à rien. Mais on va tirer quand même, hein, ça fera de l'XP. Bien sûr. Hein ? Ah non. Ouais. Ouais. Ça serait bien que le cristal Heavy tire avant parce que là c'est casse-couille. Fallait qu'il aille dans les armes. Fallait que ma vie ce soit de la giga merde. Heureusement qu'il résiste à l'oxygène. Hein. Ah mais non, mais s'il me fait un aller-retour. Oh, s'il me fait un aller-retour, ma vie c'est tellement de la chiasse en barquette. Il défonce son pote. J'ai jamais activé Med Bay. Oui, d'accord. Casse-couille, hein. C'est bon, là, les armes ? Merci. Oh là 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 là. Pénible, hein. Mais, sérieusement. Est-ce qu'au bout d'un moment, vous pourriez arrêter de sucer des culs ? Oh, vraiment, vraiment, oh... Oh. Oh. Oh vraiment. Oh là là. Mais putain. Non, je veux pas qu'il soit stun. Je veux pas qu'il soit stun. Jamais. Allez. 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 Putain. Quelle ambiance. Ah, c'était bien casse-couille. On blaste autre chose, là, ça sert à rien. Mais de toute façon, oui. Ça touchait le bouclier, sauf si on timait à la perfection. Mais oui, j'aurais pu viser ailleurs pour avoir de la moule à un moment. La boule magique. Ah oui, bah oui. Sur le contre ça, j'aurais pu utiliser l'espèce de Crystal Man. Oh, je suis fatigué. J'ai dormi 5 heures en 2 jours pour 12 heures de déménagement. Là, je suis chaud, là. Nébuleuse ou nébuleuse ? Très bien. Un choix courageux de ma part. Merci Yakoyo et Geekmords pour le surprise. C'est la baston de votre vie. Ok, donc on va mettre le flak. Hein. Obviously.
Enfin, j'aurais dû mettre l'esquive, mais... Le flak est de toute façon plus rapide que mes armes de la bite. Attack the ship. Oui. C'est horrible. On vient me faire chier, visiblement. Ah, dans ma medbay. Bah ouais. Sublime move. Ah oui. Ah oui, domicile. Voilà. Hein, déjà, un peu moins chiant. Mais va chier. Va chier, clairement. Mais genre, il le remet en ligne direct. Qu'est-ce que c'est que ce jeu bugué? Jeu qui bug. Non. On a pris cher, hein. On a pris bien cher. Faudrait esquiver un petit peu. Un petit peu. Eh bien, c'est pénible. Pénible de type chiant. Bon, on a nos armes en ligne, c'est de l'esquive qu'il nous faut. Clairement. Alors que le magasin... Et du coup, évidemment, on va grid. Ferme-moi ces portes. J'ai pas mis mon flak. Choix intéressant. Oui, oui. Sans branle, mais d'accord. Tempête de yon et tout tempête de yon. Dégueulasse. Et où sont les combats? Où sont mes bolos? Voilà, un vaisseau pirate arrive peu après nous. Il essaie de nous esquiver. C'est un contrebandier. Ou peut-être un vagabond. Ou un forban. Jamais. Jamais je ne pardonnerai jamais, comme l'avait dit Aimé Jacquet. Et j'en prends encore plein le fion. J'en prends encore plein le fion gratos. Tu me casses les couilles, tu me casses les couilles. Quelle ambiance. Prends un scrap, c'est bien. Poivite. Merci pour tous les resubs. Incroyable. C'est Kobe pour le subprime. Le bœuf de Kobe. Ça serait le grid de trop. Truc à revendre. Le Yon Blast. Et les autant shield, c'est vraiment un truc de ouf. Mes armes cristal passent à travers un bouclier, automatiquement. Ce sont des lasers classiques, sauf qu'ils bypassent totalement le premier bouclier la ennemi. Boule magique. Bravo, je pue du cul, qui subprime. Comment on heal son vaisseau via des événements, ou bien en le réparant contre de l'argent au magasin, ou bien de temps en temps, si on a un drone qui s'appelle le Hull Repair, réparation de coque. Et on peut également le réparer grâce à des drones. Mais la plupart du temps, on le répare via le magasin. Bon alors. J'aurais dû griller, mais on va regarder le magasin. Allez. Putain. Petit heavy laser pour remplacer le Yon Blast, c'était gratuit. Alors que le drone, elle repère.
Si on avait pris drone contrôle avec défense 1 plus seul repair, on n'avait pas besoin de se réparer. Mais on n'aurait jamais eu cet argent même en faisant les deux batailles. Mais c'est dommage. C'est dommage. C'est un bon magasin. Mine de rien. C'est un très bon magasin. Le Heavy Laser 1. Le Heavy Laser 1 pour un stuff économique à 4 armes dans un premier temps. Flak into. Heavy 1 est tentant, mais le problème c'est qu'on doit se réparer. Ça c'est plus tentant que le Heavy 1. Mais en vrai. Peut le prendre, mais j'ai pas d'esquive. Hein. Tellement peu d'esquive. Ou bien on prend l'esquive, ou bien on choisit la solution offensive du cul. Mais on esquive si mal. Allez, 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 le beau jeu. On les rattrapera sur long range canas. Albert Beam. Il suffit. Ah, alors attention, ok. Ça y est, de la... enfin le deux bouclier. Le burst laser 1 ne timera pas avec le Albert Beam pour le premier tir, donc il n'y a pas besoin de paniquer du tout. Du moins, pas encore. Ah, déjà? Très bien. Très bien. Commencer à enlever les autofire du coup. Tu m'avais connu par Speed Game et j'avais pas eu les Speed 1 que je faisais à côté. Ah, merci. Même si 80% des speed nimpes ont disparu. Mais il y a pseudo gaming encore. Merci beaucoup. Ça rentre, oui. Non, non, 12 scraps quand même. Faut nous respecter un peu au début. Au bout d'un moment. Merci The Seb 95 pour Subprime. J'avais dit déjà. Tellement fat, c'est gay. C'est le décès de mort. Et voilà, voilà, voilà pourquoi on applique cette politique, évidemment, du gant de fer. Parce que ça coûte du pognon. Alors qu'un autre magasin. Mais là, ça nous intéresse peu. Ce qui nous intéresse, c'est de farmer comme des gros dégueulasses. Bien sûr. Essayer de s'échapper. Firebeam, Yon, on est protégé 1000 fois. Je pourrais même mettre qu'un seul bouclier, mais j'ai pas besoin de redistribuer plus d'énergie que ça, donc on s'en fout. C'est le missile, comme souvent, qui pose problème. Ah oui, non, mais il charge le FTL, réveille-toi. On va mettre Flak là. Heavy là et là dans les armes. Allez, sois cool, Pawn, merci. La boule magique. Par exemple. Allez, on y est. 44 de scrap, s'il nous manque. Pas mal, c'est combien pour mettre un en arme? 75 plus 25, 100. Il nous faut 100 balles. 100 balles ou on remballe? Mais j'étais censé faire une pause là. J'ai envie en plus.
petit doigt dans le cul. Ça risque de puer le caca, ça. Qu'est-ce qu'on a? On a un heavy laser 1, on a un mini beam. Ça, on s'en fout, mais il y a une arme qui est cachée dans l'eau, là, qu'on ne voit pas. On a des mantis, probablement, qui vont venir nous faire chier. Il y a pas de drone. Allez. Ah non! Ah, c'est vraiment ça, c'est vraiment un clodo de l'espace! Incroyable. Ça va où? Elle est où la caméra? Dans les caméras, justement. Ok. Ouais, mais ils sont loin, mes mecs, là. Oh, c'est pénible. C'est chiant, les gars, là. Pourquoi je viens ainsi l'abîmer? Mais reste là, toi. Ah oui, la technique du vidage de l'oxygène. Mais pourquoi j'ai envoyé le flak maintenant? Ça devrait passer en vrai. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, on échange. Pop! Le dribble chaloupé de Zidane Zidane. Alors que comme un con, il envoie son flak avant. Beaucoup trop tôt. Alors qu'il n'y a personne au pilotage, mais tout le monde s'en fout. Donc, paf. Bonjour. Pause farm. Bah non, il pouvait encore m'envoyer un random, même si, ouais, là, on a peut-être tué tout l'équipage. On va vite. J'ai envie d'aller vite ce soir, quoi que je dise ça. On a encore tergiversé sur moult magasins, alors qu'une tempête de ions. Ça me semble un peu chaud de faire le grand chelem, mais c'est peut-être ce qu'on va essayer de faire. J'aurais bien aimé trouver un spot de farm avant de partir, voyez-vous. On va faire le grand chelem. Eh, je vais peut-être récupérer un mec. Un vaisseau de la Fédération lourdement endommagé se cache dans cette nébuleuse à cette balise. Avant qu'on ait le temps d'établir le contact avec eux, ils disparaissent dans la nébuleuse. Grâce à mes long range canards, je vais les rattraper. Non. Pas de copains, mais 20 balles. Merci pour les 20 balles. Encore 15 balles et on peut mettre le Heavy Laser 2 en ligne. Augmente le pilotage level 2. Ah. Oh là là, oh les nébuleuses, qu'est-ce que c'est de la bite. On va pouvoir arriver à la sortie. Hein. Indemne. Merci Shinoun pour le sub. Oui, bien entendu qu'on va essayer d'avoir la double récompense. D'autant plus que... Ah. Alors attendez, parce que... Je suis protégé d'un ion quoi qu'il arrive. Bah le voilà notre vaisseau de farm. Dis-moi qu'il s'enfuit pas. Eh ben le voilà le jus d'orange. Car en effet, même s'il me balance 4 ions, de toute façon les deux Zoltans nous assurent de toujours avoir un bouclier up. Regardez là, il est tout saucé, il me cherchait 4 trucs, donc possibilité de quadruple expérience. Il m'envoie sa sauce grébiche là. Un jour peut-être. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il les garde? Qu'est-ce qu'il attend? Attendez, avant de lancer la peau, j'essaie de comprendre. Pourquoi il balance pas? Il veut pas balancer ses ions. Ah, c'est dommage. Parce qu'on pourrait expirer de la vie à l'infini. L'IA intelligente, elle sait que j'ai Zoltan. Attendez, on va faire le test. Incroyable. Ah non, l'IA a fumé du mauvais shit surtout, ouais. Mais écoutez, c'est quand même la pub. Bah tout de suite YouTube. Re-YouTube. Cet ennemi donc n'a jamais tiré son charge laser, même en enlevant un bouclier, rien à foutre. Merci Snowredge pour le subprime. Shinon
On avait déjà dit pour le sub. Merci. Alors. Bon, bah c'est bien marrant. Qu'est-ce qu'on a pris alors? Ouais, bon bah vite fait, on a avancé. C'est un beau roman. Tu te mets l'histoire. Oh là, ma bite. Incroyable. Quel talent. Bon, par exemple. C'est cocasse. C'est pour faire durer le plaisir. Si je désactive le bouclier, oh, je tenterai pas. Paf. Paf. En fait, c'est ça que j'aurais dû faire. Un petit coup dans les armes, peut-être ça va le réveiller. Lamentable. Rectifier un truc depuis la 20e édition, c'est inutile de couper tes moteurs pour viser ton propre vaisseau avec des bombes, elles peuvent plus trater. Ah, cool. 20, merci pour l'info, Glace. 20 donc, et. Hélas, la station était vide, vide de sens. Eh bien, on n'aura même pas à faire de l'ASB. Enfin, il n'y aura pas d'ASB en nébuleuse, mais on n'aura pas à se faire un combat chiant. Du coup. Ah, c'est un petit peu greedy. Très bien. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais... Un bouclier. Un beam drone. Une arme beam. Superbe. Ok. Les slugs ou les mantis? Les slugs, je déteste les slugs. Force est de constater cependant qu'on aura accès à moult secteurs verts par la suite. Très bien, Lormund. Il pourrait y avoir des rocks et, sur les rouges, mais ça va être difficile d'affronter 12 000 rocks. Go slug. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait chier. Alors que je sais pertinemment que je vais toujours les tuer. Par contre, petit secteur qui commence par 3 batailles, je dis pas non. On a très peu d'esquive, hein. Ça peut tourner au vinaigre avec un gros breach. D'où l'intérêt du flak et du laser. Alors que le glaive beam. Mais c'est le seul danger. Ah mais attendez, c'est un event ça. Alors que vous arrivez, vous voyez un vaisseau pirate très impressionnant, Slug, avec le corbeau noir peint sur un côté. Ils établissent le contact. Oui, bonjour, je suis le pirate redouté, capitaine Nuit. Ah oui, tu dois être rempli de peur, n'est-ce pas? Tu as entendu parler de moi, n'est-ce pas? Non. Je te challenge. Ah oui, oxygène 2. Et du coup, bah il va pas me défoncer. J'accepte ton challenge. Alors bien évidemment qu'on aimerait éviter le traumatisme du glaive beam. C'est un cloque niveau 1, donc c'est jouable. Je balance direct la pastille. Ouais. Oh. C'est le glaive qui est down là. C'est du génie. On va attendre.
Parfait. Est-ce qu'on a le temps avant le cloak? C'est peut-être un peu greedy. Je vois que les rumeurs sont vraies. Oui, j'abandonne. Nous ne pouvons pas vous battre. Prends ceci et laisse-nous dans notre honte. Je pense pas qu'il y ait un follow-up si je les tue. Là. 38 de scrap, c'est un Villager Mark 1, c'est fantastique. À moins qu'on me propose un slug Master Race. Mais je pense que de toute façon, on va prendre ça, hein. Allez, merci, un bisou. C'était un plaisir de te casser le cul, Maître Slug. Ça va peut-être temps de penser à l'esquive. Clairement. Prenons appel de détresse. Ah oui, on avait dit oxygène. On avait dit oxygène. C'est bon, détendez-vous. Nous rencontrons un vaisseau de réfugiés qui dérive dans l'espace. Il semblerait qu'il s'enfuit des rebelles et est tombé en panne d'essence. Eh, hey, salut! Tiens, Rockman. Ah, tiens, Flak 2. Par contre, on remerciera évidemment la disposition du Rock qui va être cool pour le Flak. Flak 2, par contre, il va pas être cool du tout. J'attends un peu quand même. C'est terrible ce qui est en train de se passer. C'est bon. L'essentiel est fait. Into cloak. De toute façon, le flag 2, le temps qu'il reparte, on a le temps hein, de se faire 3 cafés. Bonjour. Oh oui, alors, 2 d'essence, un drone 27 et les réfugiés me remercient. Et du coup, la galère d'essence, il n'y a plus. Tellement de combats, tellement un bon secteur. Ok. Ok. L'oxygène, non. Non. J'attaque. Nickel. On peut pas perdre. On peut pas se prendre de dommages. Parfait. Alors. Merci les Zoltans. Pub. Toujours pub. Enfin de dégâts. Bonjour. Ah mais qu'est-ce que j'ai dit comme connerie? Ah mais si! Ah mais non, mais je suis complètement con! Évidemment qu'on pourrait se prendre des dégâts. Oh là là. Ah, oh, je suis trop fatigué, désolé de dire des bêtises. Évidemment. Je me suis protégé que d'un lion. C'est bon. Autant pour moi. Bon allez, c'est vraiment... pour vous faire plaisir. J'ai l'impression que ça vous taraude. Merci beaucoup iShield 78 pour ce prime. Quelle lucidité. Alors que le deuxième glaive beam du secteur. Qu'est-ce que c'est que ce layout? Tout petit slug mignon. Ça risque de ne pas être assez, mon cher petit slug. Terrible désillusion.
C'est de s'enfuir. C'est peut-être sa première bonne décision du combat. Terrible. Oh là là! Oh, j'aime! C'est là qu'on regrette de ne pas avoir un petit scrop recovery arm. Petite épée. Jamais vu autant de combats chez les slugs. La boule magique. Oui, troisième glaive beam. Je suis assez surpris de trouver un vaisseau sans marque slug. Perdu ici, et nous bougeons pour offrir notre aide. Mais hélas, évidemment, c'était bien des salopards. Troisième glaive beam. Très bizarre ce secteur. Hein. Bah, si on avait le scrap recovery arm, oui, on aurait pu tenter quelque chose. Ou si on avait le scrap recovery arm et TP, oui, là, ça aurait été un petit secteur pour travailler le PB. Ça va pas être le cas, mais on est bien. Allez, on va quand même assurer le coup en... Est-ce qu'il va faire tomber les... Ah, petit bâtard. C'est YOLO ce que je viens de faire quand même. Ouais, c'est bon. Non, c'est pas bon du tout. Ah là là. Je vais me prendre le glaive beam. Incroyable erreur du joueur français. Voilà. Il essaie de s'enfuir. Eh bien, regardons-le. Observons. Observons ce qu'il a à nous proposer. Non. Jamais. Du coup, je suis un peu à l'économie, là, j'avoue. Un magasin pour être... Trois boucliers. Deux heavy, enfin heavy laser 2 et pike beam. Il y a un scénario où ça peut mal tourner. C'est bon qu'il n'ait pas trop d'esquive. Bonjour. Double brèche. Double brèche. Non. On ne laisse jamais. Ah, casse son oxygène. Ah oui, c'était un de ses vaisseaux de cul. Ouais, ouais. Alors que le magasin tant convoitait. Qu'est-ce que j'ai dans mes cales? Ah, ah. Petit weapon pre-igniter. Oui, non, je sais que le stuff est pas opti. Mais le stuff aussitôt dans la partie pour 6, c'était cool. Allez. Merci Marlboro qui a subprime. Ice Shield 78. Le précédent, alors que le double flac. Alors que le double flac. Alors, qu'est-ce qu'on vient? Ça, c'est la grande question. Parce que... Bah, c'est... Est-ce que c'est le cristal 1 qui, du coup, charge en 15 secondes? Oui, c'est le cristal 1 qui nous fait chier, en fait. Enfin, le cristal burst. Est-ce que le heavy est 13, c'est plus ou moins quand les flaques touchent. Le heavy laser 1, il est prêt à l'action. Je pense que c'est le cristal burst. Tu peux jouer double flaque, double heavy. Ah. Oui, c'est vrai que finalement...
Ah oui, il y a même le faillot en plus sur le heavy laser. Oui, bah oui, je suis con, le heavy laser il est dans mes caves, dans mes cales. Juste les cristaux se vendent que dalle. Ça se vend pas grand chose. Donc c'est pas foufou. Double flaque, double vie, c'est ce qu'on risque de jouer. Il est vrai. Il est vrai. Parce qu'avec double flaque, honnêtement, il y a peu de probabilité qu'il y ait quelque quoi, peu importe, enfin qu'il y ait quelque chose qui résiste. Allez. Et du coup, c'est peut-être le moment d'acheter une upgrade. Ou pas. Parce que le au niveau de l'énergie, c'est la même le même coût. Drone contrôle. J'ai pas assez. Je pourrais revendre mon Zoltan Shield Bypass. Ça me plaît guère. On a quoi? On a aucune augmentation. Il va falloir commencer à penser. Est-ce qu'on veut la TP? Peut-être pas. Pas en l'état. Quoique les deux cristaux, les deux cristals peuvent optimiser la TP avec les deux cristals, c'est sûr. Hein. Vraiment lockdown une salle. Mais c'est pas non plus des bêtes de guerre. Flak, flak, heavy, heavy. Bah les flaks sont devant. Ce qui est pas si mal. Ah oui, les heavy sont là. Oh, c'est de la bite en fait. Je pense que on est dans une situation où on peut s'en sortir sans tout ça et gentiment rendre notre vaisseau de plus en plus débile. Mind control pour le pilotage et je l'aurai contre le boss. L'achat du mind control est jamais perdu, c'est vrai. C'est pas faux. Ah oui, ça... Zoltan Shield Bypass, oui, mais le Zoltan Shield Bypass, oui, ça ne servira que si on a des bombes ou qu'on TP dedans, oui, c'est vrai. C'est pour le clocking, c'est toujours bien, en effet. Je pense qu'on peut attendre. On est que secteur 4, on a tellement de choses à voir. Go. C'est pas faux, c'est pas faux. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, nous avons des problèmes avec notre unité d'oxygène. Est-ce que vous pouvez nous aider à les réparer? Non, non. J'espérais que ça allait créer un combat, c'est pas le cas, mais non, hors de question que je perde un mec. Le troisième bouclier à prendre aussi, tout à fait. Alors, voilà. C'est bien ça. Ah ouais, c'est tellement rapide. C'est tellement l'agression gratos, quoi. Oh, la sale ambiance. Non, non. Vous ne survivrez pas. Oups, trop tôt. Pas grave. Not bad. Nous détectons moult vaisseaux tournant à puissance maximale. Assez proche, mais on ne peut rien voir à travers cette nébuleuse. On s'approche. Nous trouvons un vaisseau slug et un vaisseau rock en train de se menacer avec un armement lourd. Ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est encore l'histoire des... oui, de la dette. Alors je crois que de toute façon, le seul bon choix, c'est de faire chier les rocks pour qu'ils payent. Et puis ensuite, on voit ce qui se passe. Et le slug m'upgrade mon réacteur.
Incroyable mais vrai, un slug n'a pas essayé de me refaire le fion. Alors que double magasin débile. Eh bien, combat d'abord. Qu'est-ce que c'est que cet armement de Clodo? Il peut cependant me toucher. Ça serait bien d'avoir un mantis ou un orc en plus quand même. C'est où? Dans les caméras. Oh, mais c'est quoi leur délire avec... qu'est-ce que oui. C'est un peu con d'avoir les deux cristalmen de ce côté-là. C'était une bonne idée à la con. Bonne idée à la con. Alors c'est qui? C'est un mantis tout seul, ça va le faire. Alors qu'il n'a pas tiré. Tirez trop tôt, idiot bête. Putain, ouais, c'est quand même très très violent, hein. Alors qu'une augmentation gratuite. Alors oui. Bon, cette fois-ci, je vais pas vous faire la démo. Mais le Advanced FTL Navigation vous permettrait, si vous le désiriez, d'aller ici, hein. On peut revenir là. Et du coup, ça va se revendre, ça. Alors. Bon, bah, choisissez votre magasin. Ah, c'est con, c'est là que je devrais remettre l'extension Twitch Stropol qui vous permettrait, évidemment, en direct, de me dire « Oh, ouais, qu'est-ce qu'on fait ?» Gauche ou droite? J'en sais rien. Prouve-le, Akouef. On va aller à gauche. Quoi qu'à droite, on peut se dire à droite, c'est le dernier, c'est « The Ultimate Store ». Oh putain, j'ai... C'est deux races qu'on n'a pas, hein, NG et Slug. Je préférerais une race militaire pour être très honnête. Le cloaking. La boule magique. Cloaking. C'est cadeau. Tout le monde à son poste. Ça va le faire. Alors qu'on arrive chez Enchi. Alors que tout de suite, c'est champ d'astéroïdes. Bon, on a le locking. On a le locking. On va se dire ça. Il est dégueulasse ton secteur, El Gringo. D'autant plus qu'il y a trois magasins. Vous pouvez faire les deux. Oh, c'est pas... Je suis fatigué. Oh putain, lourdement armé, hein, tout de même. Il va venir me faire chier, bien sûr. Un NJ, donc. Les mecs ont l'air sereins, hein. Être aussi lent du cul l'autre. Bon. J'aurais pu cloque ça. Mais j'ai pas cloqué. Ah, ils m'ont enlevé le bouclier. Bah oui, je suis con. À faire mes Zinedine Zidane. C'est entièrement de ma faute. Entirely my fault. C'est pas grave. Et c'était le seul moment où je devais cloquer. En plus, c'était la seule fois où il allait tirer. J'ai envie de dire bravo le bon. Bon, là, j'ai envie... Non, j'ai pas envie d'être coquin. Je pourrais être coquin en faisant tomber les shields. Mais en vrai... Thank you.
1900. Secteur 5, début de secteur 5. On est plutôt pas mal. Mets le cristal aux caméras, on va le faire parce que c'est vrai que c'est casse-couille. Ça pas contre un nouveau petit membre d'équipage. Alors que le magasin, trop tôt. Ah, une upgrade de réacteur. Alors, les missiles et les drones, Dieu sait qu'on en a rien à branler, mais les 3 d'essence, ça nous fait chier. Là, j'ai investi un peu d'énergie, mais pas tant que ça, donc ça coûte 25 en vrai. J'aime bien ce genre de deal, mais là, l'essence, c'est chiant. C'est tellement chiant. Ça aurait été mieux 2. 2 d'essence et 3 et 3, on prenait, hein. D'essence, si on trouve rien. Quoi qu'on est au secteur NJ, donc on va trouver un magasin. Je vais le faire. C'est vraiment dégueulasse, hein, mais je vais le faire. Ok. On va espérer obtenir quelque chose ici. Sale combat, sale ambiance. J'obtiens moins de scrap, mais j'obtiens 3 d'essence. Allez. Alors qu'un magasin. Ah, j'ai la map. Hein? Ah, il peut y avoir que 2 magasins? Ma vie, c'est de la merde. Y'a pas beaucoup de combats, il est dégueulasse ton secteur. J'espère qu'il va se passer des trucs là. D'ailleurs, y a tellement peu de choses que je me demande si on le prend pas le magasin. Parce que là, je vais sauter de là, je serai là, là. Ah, mais là, je risque de me faire baiser pour redescendre, non? Si je prends le magasin, quand je jump là, c'est là. Quand je jump là, c'est là. Ouais, je pense que ça passe pas. Ah, Homeworld. Ni d'essence. Ah oui. Non, ça passe. Je suis pas sûr. Moi, je pense que ça passe pas. Oui, sinon passer par le haut, mais on perd tellement de... Ouais. On va prendre le... Ça va être un secteur assez nul, hein. Ok. Waouh. Backup batterie, crew téléporteur, clone bay. C'est dégueulasse, mais bon, on était venu là pour ça. backup batterie. En vrai, c'est les 3 boucliers qu'on doit aller chercher là. J'ai 2 Zoltans. Je vais pas les prendre. Je vais pas la prendre. Tout de suite. Ah, j'hésite. J'hésite. On n'a pas vraiment besoin. On en aura besoin plus tard, peut-être. Mais les 2 Zoltans nous assurent quand même de bons moments. En sachant que là, j'ai Cloak. Donc, Cloak, il sera souvent utilisé à 1 d'énergie. Est-ce qu'on va jouer à King derrière avec 40 000 flaques? C'est pas forcément nécessaire. Donc plutôt mind control et drone. Ou mind control et TP. Ma vie, c'est de la merde. J'ai besoin des shields, c'est vrai. Go. Je peux pas t'épouser où tu veux. Non, je l'ai revendu. Vous voulez me donner un d'essence? D'accord. Oui, ça passe pas avec le distress. Donc le choix qu'on fait, c'est ou bien distress pulsar.
Distress, combat. La quête, elle est infaisable. Spoiler. Oh putain, quelle nullité ce secteur. Quelle nullité ce secteur. On va passer par en haut. Ouais. Hacking du poutage assure pas au flag touché auto, oui. Mais un mind control aussi. Sans utiliser drone parts. Oui, que se passe-t-il? Je vais vous aider. Je vais essayer de protéger mon vaisseau avec le. Votre vaisseau avec le mien. Oh putain! Best indommage. Best indommage ever. On se met bien. C'est scandaleux. Allez. Peut le laisser. Ah oui, alors donc le pulsar du stress. On sait qu'on n'aura pas d'autres stores, à moins d'en débloquer un, mais vu qu'on fait pas la quête, c'est vraiment peu probable. Et on. De toute façon, on veut avancer vers le troisième bouclier. Putain, j'ai que ça en énergie, hein. Mais bon. C'est un vaisseau économique mais efficace. Go. Ah, Servietsky. Qu'est-ce qui se passe? Deux boucliers, c'est une bonne nouvelle. TP de deux humains, c'est jouable. Armement un peu dangereux. Très bien. Qu'est-ce que ça décide de faire? Ça décide d'aller dans la medbay. C'est ça. C'est bien ça que vous faites. Comme on aime. Vous faites comme on aime. Bien sûr. Laissez-moi le temps d'arriver quand même. Voilà. Alors. Ouh, ça pique. Non. Je sais pas si le cloaking sur le pulsar. Juste pour rigoler. Ah, ça nique ma medbay. C'est cocasse. Et mes boucliers, c'est encore plus cocasse. Mais il n'y a plus d'armes. Ouh. Pas upgrader vu qu'on était en zone de danger. Donc oui, encore un système de défense défectueux. Je promets de vous aider. Et j'ai le cloaking maintenant. Donc grâce à mon camouflage, je vais désactiver le système défectueux. Et je vais me faire des petites couilles en or. Les boucliers, oui, mais les boucliers on pouvait pas parce qu'on était... dans une zone de danger à cause du pulsar. Maintenant, on peut le faire. Et on va le faire. Tout à fait. Voilà, on va même bien le faire. Paf! Les portes. Les portes, ça serait bien aussi. J'aide les civils, oui. Une TP, une clone bay. On va se prendre, en parlant de portes, on va se prendre du bon mantis dans le fion. Possibilité de double récompense. Sale bridge missile. Ah non, mais on va bien de mantis. Attention, douleur. Oh, dans le pilotage. Oh là là. Oh, la vie est tellement cruelle, des fois. Bon, déjà, on n'a pas besoin de bouclier. Ça tombe bien. Parce qu'on va avoir besoin de switcher. Bordel de merde. Non, on va faire comme ça. Aucune subtilité. Ok. Alors. Oh putain, ça fait très mal. Ça fait tellement mal.
Non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ma vie, c'est de la merde. Vous, vous allez là. Vous. Vous allez là. Toi. Tu vas là. Toi, tu vas là. Très bien. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Et j'ai jamais tapé. Mais c'est pas grave. Tiens, on va faire ça. Des grands moments de lol. Ah bah non, ils auront quand même le temps de s'arrêter. Barrez-vous. Au bout d'un moment, barrez-vous. Allez. Pourquoi ils s'en vont pas? Ah, parce que... Très bien. Au bout d'un moment, ils vont pas crever. Faut arrêter les conneries. Très bien. Allez, hop. Ils font leur vie. On s'en fout qu'il y ait un pilote. C'est pas grave. Allez, 2 d'essence, 1 missile, 29 scraps et les civils me réparent. Je les en remercie. Ah bah non, bah là. Moi, quadruple flaque. Moi, ça me ferait beaucoup rire. Mais cette quête, jamais, personne n'a fait cette quête. Putain, on pourra même pas aller là. Tristesse absolue. Les portes, oui, oui, c'est vrai. Non, il va bien falloir acheter autre chose. Les portes, vraiment. On a des secteurs verts à venir à l'infini. C'est vrai que ce serait pas mal de prendre les portes. 4 flaques, c'est déjà arrivé, oui. C'est très très bien. On va prendre les portes. Si j'ai gardé mon Advanced FTL, putain, ouais. Mais on n'aurait pas eu le clock tout de suite. Ça aurait été dommage quand même. Petit up moteur, oui. Mais on a un mètre en moteur, donc on est déjà à 40%, c'est plutôt cool. C'est quelle est votre spécialité? Et j'ai plus de thunes. C'était mes senseurs qui allaient être upgradés pour 15. On s'en fout un peu. Next, c'est un civil ou les slugs. Les slugs ont été sympas avec nous, mais... Cette fois-ci, on va décliner l'invitation. Merci Kengo One. Si j'avais loupé ton sub, mon infion. Il n'y a pas de nébuleux, c'est pas cool. Le layout est pas dégueu, cependant, pour se balader. Donc, baladons-nous. Le meilleur stuff que j'ai jamais eu. Roche, on a fait tellement de parties, je ne saurais dire. Les scanners révèlent un énorme champ d'astéroïdes proche. Les scanners à courte portée pourraient trouver des matériaux utiles pendant que nous attendons que le FTL se recharge. Oui. Aïe. Ah, c'est tout. Juste plein le fion. Ah. J'ai oublié que c'était autant de la merde. Qu'est-ce qu'il faut ici d'ailleurs pour avoir un choix bleu? Peut-être un bim. Une arme bim. Je préférais le 1 de dommage pour 47 scraps de tout à l'heure. Ah, c'est le rock plating. Et uniquement le rock plating. Putain. C'est trop cruel. Scanner avancé. Piloting peut-être. Pilotage à 2. Oh. Comme quoi, ça sert à quelque chose. Bon bah tant pis, les réparations que j'ai prises. Terrible. Bataille. Faut que je remette mon point en esquive. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce clodo de l'espace? Clodo de l'espace qui me hack mes boucliers. Et qui cloque. Et qui a un burst laser 2 ainsi qu'un burst laser 3. Je le vis bien. Alors la question c'est, est-ce qu'on cloque le 2 ou le beau jeu, le beau geste, on cloque seulement le 3? C'est bien ça, hein, oui. Moi, je dis on esquive de tir. Tous les jours. Ah, sinon, s'il avait un gros cloak, il m'aurait envoyé toute la sauce en même temps et là, ça aurait été magnifique. Miss. Touché. Pilotage.
Ah, c'est... Combien je passe avec le cloque? 60. Le pilotage, donc. Joli. On va pas faire dans la dentelle une fois de plus. Bien sûr. Ah, évidemment que c'est de la merde, le flac. Nécessaire. C'est bon, c'est gagné. On est à 15 de vie cependant, donc on a bien souffert. C'était bien nul. Je m'en suis bien tiré, oui. Pourquoi j'ai pas le 4? Le 4. Petit bâtard. Moyennement kiffé la vibes avec mon mic. Pour les vannes des stéroïdes que tu as eu, le seul choix bleu c'était avec le scrap recovery arm pour faire du pognon. Ah oui, on l'avait fait ça. C'était bien d'ailleurs. Très très bien. Très agréable. Putain, mais ce hack de shield quoi, préventif, dégueulasse. Plus le truc qui touche pilote, ça c'était du génie. Hein. Du génie démoniaque, alors qu'un magasin. C'est. Hélas. Peu intéressant. Ah! Oui. C'est d'accord. Ah. Ça me ferait chier, ouais. Ouais, cette bataille into distress. Jamais, vous m'entendez jamais. Ah, on va peut-être avoir un membre d'équipage, même si on aimerait bien avoir du pognon. Qu'est-ce que c'est que ça? NJ humain, Zoltan NJ, c'est le meilleur vaisseau mantis du monde? Dans la medbay? Pas plus que ça. Allez, accueillons-les comme il se doit. Honnêtement, les humains, un humain quoi, on m'a pris pour qui? Ah, c'est bien mieux. Mon cristal aurait bien pu servir là. Ah oui, putain, mais j'oublie jamais. C'est vrai qu'on a tellement fait peu de choses que pas de lockdown. C'est vrai qu'ils viennent à 4 pour qu'on ait cette achievement useless. Oh, j'ai tellement la fatigue en moi. J'ai la fatigue en moi. Distress store. Ah, voilà, c'est intéressant. Distress, into peut-être des bastons, into store, into quadruple flaque. C'est un plan qui me plaît bien. Oui. Oh, qui es-tu? Oui, rejoins-moi. Charlie le Mantis. Eh ben, le voilà, le jus d'orange, bordel de merde. C'est Vulvizar qui nous rejoint. Ah, alors qu'on a un petit auto-host de Alufa. Alufa Castor. Pour 453 viewers, qui bizarrement n'est pas relevé par Streamlabs.
Est-ce que Streamlabs bug? En tout cas, merci beaucoup, Alpha, même si c'était involontaire, hein, c'était un auto-host. Avec Alpha, avec qui j'ai discuté aujourd'hui. Est-ce qu'on tenterait pas quand même? Ah, le problème, c'est. C'est un peu chiant en fait. Ah, c'est full volontaire. Bah, je sais pas si c'est dit auto-host et j'ai pas la notif. Je vends 502 missiles pour 2 millions d'euros. Meilleur event avant un magasin. Bon, on va le faire tout de suite, du coup. Je parlais à un pote qui me disait qu'il était sur nos lives. Ah. Alors que le flaquin et le burst laser 2. Écoutez, on va revenir après une petite page de pub, le temps que je me pignole. Ça fait une heure en plus. Donc, ça tombe bien. À tout de suite. Scandale. Héros YouTube, alors oui, moult débats parmi, comment dire, les spécialistes de FTL dans le chat pendant la pause pub. En effet, même, alors le Burst Laser 2 déjà c'est sûrement overkill. Alors c'est vrai qu'ensuite avoir full flaquin, c'est quand même rigolo, qu'est-ce qu'on s'amuse. La réalité cependant c'est qu'avec deux flaquins, on ouvrira la plupart des vaisseaux, même les quatre boucliers. Si on mind control en plus, c'est relativement garanti. Et on a 4 de dommages là. Enfin, oui, oui et non. En fait, c'est le flak qui sera overkill peut-être du coup. L'autre possibilité, c'est de garder ce qu'on a. Et de commencer à travailler les sous-systèmes et la défense. On a de l'essence à acheter également. On a acheté que 3, hélas. Le mind control, il est glamour, hein. Trois flaques burst laser 2. Le burst laser 2 est plus long à charger, ouais, mais de 2 secondes. Et le flak, il tire au bout de 10 secondes, mais... Il touche à 12, donc non, c'est raccord. Les heavy lasers, on attend hein, finalement que les flaques aient touché pour envoyer les heavy lasers. Les heavy lasers sont prêts avant. Ça, c'est pas un problème de charge. Sinon, j'ai 17 missiles. Ouais, mais je vais pas mettre un breach. Pas que ça à foutre. On pourrait prendre une bombe. S'il y avait un breach 2, on pourrait avoir cette conversation parce que... parce qu'on a en plus le Zoltan Bypass. Mais là, c'est pas le cas. Attends, le hacking. Ouais, je prendrais bien le mind control. Hein. Et le heavy, ça fait des brèches, c'est vrai. Il y a quatrième flak. C'est vrai que le quadruple flak, c'est très rigolo. L'essence, c'est sûr. J'ai combien d'augmentations? J'en ai qu'une. J'ai le cloak. On peut partir sur mind control TP, mind control drone, mind control hacking. Alors que le reverse on field, d'ailleurs, by the way, qu'on ne prendra pas, hein, et qui est pas mal. Ah, je sais pas ce que vous avez contre ce petit setup double heavy laser qui fera le taf, hein. Et surtout qui est économe, hein, donc ça veut dire qu'on pourra même aller vers des trucs débiles, genre 4 boucliers, tout ça, quoi. Ah, augmentation, oui, je suis con. Augmentation, on a juste long range scanner, c'est le temps shield de bypass. J'ai pas de crew, bah j'ai un mantis. Et un cristal, hein. Ok. Mais oui, non, une TP, celle de TP à 2, là on n'a pas joué TP.
Ok. Le bypass, ce serait juste pour le mind control. Bah oui, c'est vrai que dans l'absolu, là, le bypass, il est pas hyper utile. Mais le mind control, on va le prendre. J'aime bien avoir le mind control. C'est confortable. Le Zoltan Shield bypass, du coup, va sûrement me servir à rien. Parce que je vais vraisemblablement pas jouer bombe, pas jouer TP. Juste mind control fonctionnerait, mais bon... Quand on défonce, éventuellement pour mind control, mais non, bah vu que le dernière phase du dernier boss, on l'utilise juste de manière défensive. Donc, on peut vendre le Zoltan Shield Bypass. Et voilà. Non, mais c'est bien, c'est bien. On a déjà fait quadruple flag, c'est rigolo, c'est débile, mais en vrai. Du coup, on peut même prendre les réversions field. J'ai envie de dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Où viser les 4 Zoltan? Non, j'ai... C'est trop cher d'acheter ces armes-là pour pas augmenter vraiment notre stuff de manière significative. Là, on a toutes les 10 secondes, on envoie du pâté en boîte. Je pense que vous... Vous êtes des petits fifous. Réversion field, c'est inutile avec les deux Zoltans. Bah non. Parce que là, j'ai que deux Zoltans, j'en ai pas quatre. Il y a qu'un bouclier qui est protégé au final. Le dernier bouclier est imbougeable. Prends un rock, moi acheter des équipages, je suis tout à fait contre. Je vais prendre ça, ça m'amuse. Ok, go. Et on va sûrement de grid hein, ici. Il me faut de l'énergie pour le mind control. Oui, bonjour. Je communique en paix. Et c'est de la merde. Ça aurait été bien d'avoir quelqu'un. Alors que le deuxième magasin. Ah, la baise. Éventuellement la base. Je rejette cette offre. Hacking. Oh, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Soit. Soit, soit, soit. Hacking niveau 1. D'accord. On va s'occuper de tout ça. On va mettre le flac là. Il va se passer des choses incroyables. Mind control du zizier. J'ai 4 boucliers, je vais. Ouais, non, c'est le missile que je vais éviter à tout prix. La grille, ça va. Ça va, ça va. Oh, le feu. C'est le feu. Le hacking a pas bougé par contre, et ça c'est chiant. C'est méga chiant. Comment ça? D'où le point qui nous manquait pour se prendre la RNG de la carotte d'une vie. Le hacking, non, on a le temps. Il tente la garotte. Oh, allez, les flaques qui partent. Voilà, merci. Allez, c'est un effort d'équipe. Ouais, mais le cloaking là, oh là là. Réparez-moi au moins un, voilà. Allez, tant pis. Thank you.
va me raquer soon peut-être. Putain, mais quel merdier. J'aurais pu prendre le deal, hein. C'est pas grave. Ah non, mais vu le viseur n'est pas abîmé, qui a pris cher? C'était le... Bah, l'humain, d'accord. Cloak vite. Ah, j'ai pas revu le cloak. C'est pas grave. Putain, mais quelle embrouille, quoi, franchement. J'étais quoi? J'étais à 90, non, de... d'esquive. La max dans le fion. Pour le plaisir. Into magasin. Ah, la backup batterie, la voilà. Batterie de chargeur. Ah, le fameux combo, mais j'ai pas la thune. Dommage. Alors que double réversion field. Attendez. C'est pas 100%, c'est 75%. Si c'est 75% ou 100%, ça m'amuse. Immunoyon 75. Ah, crapaud, des bisous. Faut que je prenne des SMS. Crapaud, c'est 100%. Enfin, 75, je veux dire, oui. 100%, ça me paraît un petit peu débilos. Tout à fait, glace, 10-75. En général, ils auront les bonnes réponses. Mais les gens ne sont pas forcément d'accord. Ah oui, c'est vrai, Odysseus. Enfin, je vais me fêter aux 24 heures si j'ai tort. D'accord. C'est à confiant. On va tenter parce que c'est vraiment drôle. Si ça marche, c'est drôle. Ça, c'est moins drôle, par contre. Est-ce qu'il y a autre chose d'intéressant? Parce que je peux faire Distress Pistor. Et me taper une petite angoisse. La petite angoisse avec seulement ça en moteur et peu de cloaking, je suis pas sûr. J'ai besoin d'essence aussi. Bon, si c'est 100%, moi je suis chaud. Hein. Vérifiez sur Reddit, c'est 100%. Eh bien, c'est 100%, les ions ne nous toucheront plus jamais. J'ai plus de vie. Pas abusé non plus. Ah, le clodo de l'espace. Je prends la sortie, je pense. Ah. T'as con l'esclavagiste. Allez, on est safe. Plus ce missile qui... Parfait. Est-ce que le missile va me toucher encore? Parce que ma vie, c'est la merde. Quoi les occuper un peu. C'est de s'enfuir. Écoutez, je vous regarde. Regarde avec attention. En vrai. On n'a pas d'NJ pour réparer en urgence. C'est robot chiotte. Ensuite, si on peut avoir 40-52 scraps, on est bien aussi. Hein. Ah. Mais vous aimez bien robot chiotte.
Moi, je piou-piou, hein, je crois. Oui, exactement. Je prends le pognon. On va essayer de faire un gros score. Quoi? Ouais, c'est une bien bonne récompense, bien fat. C'est pas pour ça qu'on disait piou-piou, mais moi j'ai dit piou-piou. Non, non, honnêtement. En fait, toutes mes salles, même annexes, sont prises. Alors oui, Robochot aurait pu prendre les portes, et vu le viseur aurait été l'électron libre. Mais je pense que je préfère avoir mes 50 boules. Robochot aurait carré sûrement. C'est vrai que ouais. Là où j'ai mal considéré, c'est que le NJ, surtout que là on va chez le NJ, pouvait nous donner des éléments. Des options bleues. Qui du coup se transforment en pognon, bien sûr. Baston ou détresse dans ces cas-là Il aurait fallu prendre la baston. Allez, c'est gratuit. On tisse plutôt dans les caméras, oui, c'est vrai. Oh, le Hull Repair. Ah non, mais là, le double reversion field, il nous met bien quand même. Mais le Hull Repair, hein, avec 23 drone parts et le drone control, Defense Drone Mark 1, il aurait fallu beaucoup trop d'argent. Dommage. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ok. Le hacking pour le luxe? Bah, je vais pas revendre quelque chose là, donc. Le hacking, on le prendra, hein. C'est prévu. On est secteur 6 ou 7? Ah, déjà! Déjà. Ok. J'aurais dû prendre la baston, peut-être. Faut de la thune. Oh mon dieu, est-ce que je peux vous aider? Non, et là j'aurais eu un NJ. Je me serais fait du pognon. J'aurais peut-être dû prendre un essence de plus. C'est pas grave. Salut. Ils essayent de s'en aller. Ok. Ah putain. Ça va me TP. D'accord. Selon ce... Oh, va aller à la Medbay. Ah putain, ouais. Je vais les laisser y arriver, hein. Je veux pas qu'on se comprenne mal. Moi, je veux qu'ils y aillent. Je suis tout à fait pour. Ah mais non, moi je le fais virer des caméras, le con. Ok. Ok. Parfait. Parfait. J'ai pas activé la Medbay. Activons la Medbay. Ok. Maintenant c'est bon, on va rejoindre ton poteau. C'est un mantis. Tiston, du plaisir. Ça c'est casse-couille. Pour le shield, ça. Miss. Cool. Ok. Faut de l'énergie, hein. Faut de l'énergie. Non, mais il n'y a pas eu de second stream Cuphead Swin. Quand je serai un petit peu plus réveillé, c'est promis. Je crois à mort.
Into deuxième store. Si on veut un deuxième store pour acheter un dernier système. Éventuellement. Le hack. En fait, quoi, avec deux flaques. En fait, ouais. Oui, si, je peux contre-hack, je peux hacker d'autres choses. Ah bah, y a pas le hack. Neniem Zoltan. Crew téléporteur. Backup batterie, hein, on peut toujours la prendre. Oui, le hack, mais y a pas le hack. J'ai pas envie de prendre le crew téléporteur, c'est pas nécessaire. Peut-être reprendre un d'essence et puis repartir. Je prends la batterie, je prends un d'essence. Il y a combien de sauts là? J'en prends un. C'est à 25 ou à 30? C'est ça qui est décidé. C'est à 30? Faut que je fasse ça. Faut que je mette là, c'est sûr. Ok, go. Hey, salut! Connard. Elles sont où les bastons? Elles sont où les bastons? Les NJ vous attendent avec leurs armes en ligne. Ils expliquent qu'un virus... Attaque. Attaque, attaque, parce que j'ai pas de NJ, donc j'attaque. Voilà. Ah bah voilà le... Comment dire, la situation où les flags vont pas faire tout le taf. Celle où il y a 42 000 drones de défense. Ça, ça va être une sacrée histoire. Est-ce que je peux les toucher? Si seulement on avait eu un NG. Ouais, non, mais j'avoue. Quel idiot. Quel idiot, quel idiot. C'est juste que j'avais oublié qu'il y avait un secteur vert derrière. Et ça coûte cher. Alors, l'armement, en tout cas, bah on est bien immunisé au ion, hein, on est d'accord. On va vérifier ça tout de suite, d'ailleurs. On pourrait terminer notre expérience là. Qui est au shield? Ma bite. Ah oui, c'est un double laser. Donc, résiste. Ah oui, alors est-ce qu'il va bugger? Non, c'est bon. Oh, c'est beau. Oh, c'est tellement beau ce qu'on est en train de voir. Oh là là. Ok, donc on est tranquille. Je peux mettre même mon esquive là, peu importe, on s'en fout. Alors. Bon bah du coup, c'est tout dans le shield, quoi. Hein. Ou les drones. En tout cas, bon, le flak, il est là ou là, si on veut essayer d'avoir les deux, bon, je pense. Le truc, c'est est-ce que j'envoie tout en même temps, quoi. Ouais. Ou plus ou moins que ça arrive en même temps, quoi. Voilà. On va mind control, j'ai oublié de le faire. Dommage. Avec le vaisseau détruit, vous détectez le virus. Vous détectez que le virus a abandonné votre vaisseau et a disparu quelque part entre les systèmes de l'épave. Il infectera probablement le prochain vaisseau NG qui passera par là, mais votre mission est trop vitale pour risquer la réinfection. Merci pour les 61 scraps tout de même. Ah, j'aurais pu mettre un énergie quand même, j'ai envie d'avoir le hacking ou je ne sais quoi.
Merci Swin pour le sub. Merci beaucoup. Vicious Buzz pour le resub ainsi que Cerber QC et Kirin PF. On va prendre toutes les bastons qu'on nous propose. Hein. Ah bah non, je ne resterai pas caché. Ouh, très bien. La batterie de toute façon. Knocker absolu, est-ce que je mine contrôle maintenant ou plus tard? Plus tard. On va se la faire comme ça. Je suis en retard. Ça me sert plus à rien d'avoir des deux oltans. Hein. Est-ce que je veux vraiment... Peu importe. Ah, les portes ouvertes, Crystal of Dawn, ouais, j'oublie. Oh! Oh! Faut niquer la TP. Attends, laisse-le se battre, laisse-le se battre. La boule magique. Nous cool. Cool, cool, cool. J'ai jamais utilisé le lockdown, je crois. Si, pour le fun, dans le vide. Incroyable. How to HDS. Merci beaucoup, bienvenue. Alors que 137 scrap, alors qu'une baston. Je vais me mettre mon point d'énergie quand même, depuis le temps. Non ! Oui. Ah, attendez. On va voir. Il suffit d'une avalanche de thunes. Il peut se passer beaucoup de choses. J'attaque, sûr. Bon bah, même combat, plus ou moins. Armement un petit peu vénère. Par pitié. Bah tiens, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour apprendre de ses erreurs. Attends, mais ils se mettent d'accord? Ah non, ils sont en train d'essayer d'aller dans l'oxygène. Et là... Incroyable mais vrai, il utilise son pouvoir sous vos yeux ébahis. Alors du coup, est-ce qu'ils essaient quand même? Ils essaient quand même. Ah, est-ce que j'aurais dû attendre? Je ne sais pas. En tout cas, on s'éclate. Si je mine contrôle, il se bat ou il fait de la merde? Ouais, il se bat. Donc c'est parfait. Maintenant, on envoie la sauce. Sublime moment de liesse. Ah, et le mec qui était mon copain a voulu me rejoindre. Ah non, il voulait aller aux caméras, mais du coup il est mort. Ah, mais d'accord. On peut vraiment s'amuser. Des moments de liesse. Terrible, terrible ce qu'on vient de vivre. Vraiment un terriblement triste. Il est tout seul. Ah d'accord, on a tué ceux qui étaient dans les armes. Putain, c'est tellement violent quoi. Bon bah meurt. Désolé. Eh, parce que si ça stun dans le feu, ah ouais, c'est tellement monstrueux. Le heavy laser, hein, le heavy laser. Sympathique. Ça serait bien de trouver un magasin au dernier secteur, sinon on va se mettre 4 boucliers.
On va se mettre nos buffers et ça ira aussi. Oui, bonjour. Je suis d'accord pour Je veux sauver le magasin. Ah, je croyais que ça allait être directement. Et du coup, c'est trop tard et on ne pourra jamais faire cette quête. Ma vie, c'est de la merde. Dead Cells. Quelle est la question sur Dead Cells qu'on avait testé, qui était très très bien. Ah oui, à la release, oui, bien sûr. Release finale, je retesterai Dead Cells avec grand plaisir. Je peux essayer de cloquer directement ou je peux lui casser la gueule en sachant que j'ai de quoi démine control, donc j'attaque. Et il a pas de cloaking. Il a pas de bouclier. Oui, j'attaque. Oui, j'attaque. En vrai, je pourrais... Ouais, on va attendre que les flaques touchent, sait-on jamais. Ou bien plutôt, je fais ça. Ah, c'est ça que je veux faire. Bien sûr. Pas mal, pas mal. Ça, on craint rien, donc c'est juste cloaking au niveau de la bombe. Pour être sûr de... Voilà. Les bombes, c'est chiant. Oh là là. Eh ben oui, ouais, bien sûr. Voilà. Quand je disais que on sait jamais, on sera peut-être des couilles en or et on pourra penser au quatrième bouclier. Est-ce qu'on grid? Alors ça se trouve, il n'y a rien. L'emmerdement va être absolu. Je pense qu'on va grid. On va grid le saut, mais évidemment qu'on va grid le saut. Je suis sûr que oui, on va grid le saut. Est-ce qu'on prend l'esquive tout de suite? Ou est-ce qu'on prend juste un deuxième point de cloak? On voulait prendre un buffer au cloak à un moment ou à un autre, c'est maintenant qu'on va le prendre. Et on va... attendre, parce qu'on sait jamais, on pourra peut-être tomber sur la king. Oui. Tout va bien se passer, calmez-vous. C'est beaucoup de plaisir. On est là pour prendre du plaisir avant tout. On peut faire pilotage. Oui, c'est vrai. Le buffer pilotage. Ego. Mais non, ah, voilà le problème d'avoir la batterie. Et si je te fais ça? Qu'est-ce qui t'intéresse si je fais ça? La batterie ou la mettre? Alors il y a deux coteaux qui vont me rejoindre. Sauf qu'en vrai. On peut créer évidemment la confusion. La discorde. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu sors ou je te sers? Ah désolé, j'ai plus le temps de niaiser. Voilà, viens. Donc, oui. Ah. Superbe, superbe move. Tranquillou. Et bonjour. Merci. Ok, alors.
215 donc. Oh! Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tous les Reapers. Ah, il est proche. Oh là là. Ah, ça c'est un bait à Game Over. Du plus bel effet. Je l'ai pas fini, ça fait des points au score final. Ah! Oui, je suis con. Je suis con de pas l'avoir fini. C'est vrai. Dommage. En vrai, ils sont en train de prendre le contrôle de cette merde. Donc c'est pas de la merde, ça? Parce que le bon move... Enfin, le move jouable, c'est peut-être... Baston, repair, repair, repair. Et retour base. Mais... et encore. Je pense que prendre cette première bataille, c'est la connerie, déjà. Quoique... Ah si, parce qu'on peut pas sauter. La balise de droite est liée à la base, bien sûr. Donc on va là, et on réévalue. Ouais, on va faire ça. On va faire ça, on va la jouer sérieux. On peut essayer de trouver un store qui ça. Ah, d'accord mec. Très bien. Alors. Ah oui, ASB du coup. Ouais, ok, c'est exactement le même combat au final. Très bien. Je vois le genre, ouais. Battez-vous. Sérieusement? Ok. On va voir. Ah! Ah oui, quand même! Super. Grosse ambiance, putain, la bombe quoi. La bomba. Fait pas de dommages cependant, faut juste éviter que le bouclier meure intégralement. Par exemple, le mind control va se terminer en plus, ça c'est les sales ambiances. 2, ça va. Moi j'attends le warning et surtout le bridge en fait, c'est le bridge qui décide de tout. Hein. En vrai. Ils sont en train de crever. Ça leur paraît cohérent. Déjà essayons de régler un petit peu le malaise. Et il va mourir. ASB target locked, ok. Bon, de quoi les occuper. Crystal Mess qui gère à mort. Ensuite, Mess, il s'en fout qu'il n'y ait pas l'oxygène, donc aidons-le un peu. Aidons-le dans sa tâche. ...105% d'esquive, donc peut-être que le jeu va arrêter de m'enculer au bout d'un moment. Bien sûr. Est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais te débarrasser de ce petit feu? Merci à toi. Merci pour ces moments incroyables. Du coup, je vais faire aucun... Ouais, c'était vraiment une bataille de merde, mais c'était prévu, hein. Oh, vous êtes sérieux, les gars. Mais putain. Vous avez vraiment que ça à foutre de haute vie, quoi. Je compte pas target les shields en même temps. Non mais c'est chiant les gars. Heureusement y a plus d'armes. Hein. Y a un repair direct derrière. Hein. Bon en fait ça c'est la fête du slip. Par contre si on pouvait éviter, voilà. Vous mourrez maintenant. C'est vraiment de la merde. Qu'est-ce que c'est que ça?
prend le store maintenant, je crois. Non, magasin tout tour hyper, c'est un peu de la merde. On peut faire un magasin hyper baston. Quoi qu'il arrive, là, je devrais avoir assez au magasin s'il y a vraiment un truc intéressant. Les trucs, à, les deux combats à gauche sont hyper tentants. Ensuite, le magasin peut sauter à n'importe quel moment, donc faut y aller. Long range scanner, ce qu'on va revendre d'ailleurs. Reconstructive téléport. On nous proposera pas le hacking, mais on va prendre le drone control du coup. Hein. Alors qu'il y a une la clone day. Bon. Ok. On va prendre le petit drone control. Le bug, bah non, bah là on n'a pas besoin de faire le bug, hein. On a le drone control défense 1 en vente avec, c'est ce qu'on peut avoir de mieux. On peut pas avoir n'importe quel drone hein, en vente, ça reste les drones, comment dire, d'entrée de gamme. J'ai toujours les long range, oui je sais, ce que je veux dire, on peut les vendre. Ouais. Non, je pense que double repair c'est une connerie, repair combat, et puis ensuite là en plus derrière, ça se trouve si tout n'est pas défoncé, on aura des options pour continuer à grid. Plus de barre d'énergie, oui. Ok, alors. Oui, il existe sur smartphone, ouais. Sur iOS, sur Android, je suis pas sûr qu'il existe. Est-ce qu'on nous propose... Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Fire Suppression qui nous avait sauvé la vie sur le Rock B. Mais c'est beaucoup trop cher. On sait jamais, on va peut-être dropper Weapon Pregnator sur le dernier combat avant le dernier boss. Est-ce que le dernier boss, ça lui arrive de dropper des armes? Je me demande si c'est déjà arrivé. Je crois pas. Pub. Et c'est vrai que là, ça fait une heure. On est en plein dans le doute. Quelle arnaque. Donc on sait qu'on a bataille là, mais là, si jamais il décide de faire un rush, ça va très mal se passer. Il va sûrement rusher. Donc repair, baston, et ensuite, mystère et boule de gomme. Oui, mais c'est aussi rare que les autres vaisseaux. Ah. J'ai eu un ion blaster. Je me demande si on n'a pas eu ça il y a très longtemps. Putain, c'est vrai que le repair, c'est tellement fat et gratos, quoi. Oh là là. En vrai, 4 sauts. C'est un peu un plan cul, hein. Si le hacking se passe mal, on va le regretter. On sait qu'on a une baston là. On a tout intérêt à avancer. Sur iPad, voilà, c'est ça. Oui, non, mais c'est large, mais sauf que... Attendez, là, il est là. Il peut jamais prendre la décision d'y aller direct. Donc il ira après. Mais le problème, c'est si on arrive et qu'il reste qu'un saut ou deux et que le hacking est dégueulasse. Oui, on a trois tours, mais voilà. Le problème, c'est imaginez, vous arrivez au dernier tour, l'avant-dernier tour, avant qu'il nique la base. Vous prenez un hack dans les shields. Ça tourne mal. Vous partez. Et machin, machin. Donc on va tuer ce boss, nom de nom, mais oui, mais après une pause. Parce qu'il n'est que 3h20 du matin et je me réveille à 9h du matin. Et j'ai pas dormi. Donc un petit doigt dans le cul. Je sens que vous êtes tendu, là vous êtes là, vous commencez à dire non, Grid, non, on va tuer le boss, putain tu nous fais chier, 3h20 connard. Je pense que 5 minutes de pause, faire du bien à tout le monde. Re-YouTube. Allez, on y est. On y est, c'est This is the end. This is the end. Alors. C'est maintenant qu'on investit. On va pas prendre le double repair, on va aller vers cette baston. Alors. Voyons voir.
Il nous manque de l'énergie tout de même. Hein. Il nous manque d'énergie, d'autant plus qu'on a les drones de défense maintenant. On a certes la batterie qu'on peut upgrader. On préfère avoir de l'énergie en dur aussi. Quatrième bouclier, c'est un peu la gridance pour l'instant. Mais qui sait ? Une baston double récompense. Et tout va bien se passer. Buffer mind control, buffer drone. Ce serait sympathique. Caméra. Non, j'ai quelqu'un dans les caméras. Buffer mettre bear. Buffer drone. Batterie. Comment ça je cache les drones? Scandaleux ce qui est en train de se passer. Ah oui, je cache les drones. Hallucinant. En fait, le setup idéal c'est de mettre le jeu tout à gauche et moi tout à droite. Mais si le jeu est décentré, alors là. Parce que là, le problème c'est la batterie. Il faut qu'on... La dernière fois, je cachais la batterie. Je suis sûr que ça a trigger plein de gens. Vous pensez que si je descends le... Ouais, mais si je descends le jeu, vous êtes triggered aussi. Putain, je suis sûr que vous êtes triggered à fond. Totalement trigger, là. Buffer arm aussi. C'est vrai. Bon, ça va, c'est bien. Ok. Baston. Mets-toi sur le côté comme sur... Ok. Ah oui, non, mais ça va pas stopper le boss. Ça n'existe pas. Scouter le secteur. Trop tard. Lui, il serait arrivé en premier. On l'aurait kiffé. Donc je crois qu'on va lui casser le cul. Ouais. Prenons pas le risque. Scoot pour instant, non, non. De toute façon, là, notre marge de manœuvre est très limitée. Deux humains qui viennent. Bon, occupons-les. Occupons-les. Il y a quand même un humain qui va venir s'amuser. Ah, ok. Il va bien s'amuser, en effet. Alors. Oh là là. Et là, on peut faire un petit carnage. Ça s'en privé. Même plus besoin du drone de défense. On va quand même cloquer sur la bombe. Ça vient ? Non, il s'en va. Okay. C'est quoi ce quintuple miss de la mort ? Ah, c'est vraiment ça. Ok. Donc c'est le mantis qui répare ça, mais il va être aidé par l'humain bientôt. T'as pas envie qu'il revienne, même si on peut les gérer. Oh oui ! Oh là ! Le mec qui rage quitte son pilotage. Oh non, j'ai envie de casser des culs là. Incroyable move. Ok, Thank you.
Le mec il arrache quid quoi. Une fois de plus. La bombe putain sérieux. Qui miss. Mind control, on voit plus personne, mais on va voir quelqu'un. Soon TM. Battez-vous. Arrêtez de réparer ça et battez-vous. Ouh. Nice. Ok, on aura peut-être le temps de grid ça. On aura le temps de grid ça. Sauf si on veut le grider plus tard, ce qui est un bon move aussi. Ouais, 174, c'est pas loin du troisième shield, mais on a des trucs à faire encore. Le buffer d'arme. Le buffer d'arme est cher, mais il est glamour. Ah, voyons voir d'abord. Ok. Ça essaye pas de s'en aller. Ça me mind control, c'est réglé. Quand même 4 shields. Hein. Mini beam, basic laser. Ouais, non, ça va. Juste le cloak le breach. Évidemment. Et du coup, peut-être. Non, on va quand même focus les armes en premier lieu. Putain, j'espère que je vais le toucher en fait. Sinon, je mets le drone de défense. Ça règle le problème. Oui, carrément en fait. Ça règle pas mal de choses. Oh putain. Tu vas pas me troller, merci. Il avait mis de toute façon. Piotage, pas bien. Par exemple. Pas de brèche, hélas. Pas de brèche, hélas. Ce n'était pas une bataille à double récompense. Dommage, Eliane. Et du coup... Du coup, c'est pas mal. On peut mettre un quatrième shield, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Du coup, est-ce qu'on va faire ce saut-là ou est-ce qu'on se dit on prend zéro risque, on va tout de suite voir Starbase. Huh. Zéro risque sûrement, ouais. Est-ce qu'on veut les shields? On sait que les ions, ils nous feront pas chier. Une chose qu'on fait rarement mais qu'on peut faire, c'est dodge, dodge, dodge et dodge, dodge énergie. On peut mettre ce buffer. Nous sommes en direct. Même si les dodges vont perdre un petit peu de sens au fur et à mesure. Où il y a du buffer partout, hein, buffer mind control. Ça c'est sans... pas de buffer en arme quoi. Allez, allez on tente ça. Pilotage 3, non. Quand même pas. Aller dans les moteurs. Bravo drone de défense, tu as loupé au bon moment. C'est beaucoup de plaisir. Ok. Très bien. Oui, quoi qu'il arrive, je verrai pas le mec par contre.
Je suis tellement fatigué que j'ai un trou de mémoire. Maintenant, je juste dodge les missiles. Il n'y a pas de super phase. Ok. Je pense que ouais, on va faire ça. Les ions donc ne toucheront jamais. Et ça c'est formidable. On a le temps. Dis-moi qu'on a le temps, on a le temps. Bonjour, il n'y a plus de bouclier. Bonjour, il n'y a plus de bouclier. Donc là, c'est le moment pénible. Ah quoi que le clocking. Oh là 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 là. Ma vie, c'est tellement de la merde. On va contre-cloak dès maintenant. En batterie. Faut l'aider. Nickel. C'est vrai qu'il me manque un dernier guerrier pour la phase 3, mais bon. Ouais, j'ai fait du no pause, ouais, il y a longtemps, mais... C'est un jeu à la cool, donc à la part si on tryhard à mort, on pourrait refaire du no pause, mais on parlerait beaucoup moins, on serait beaucoup moins posé. Parce que ce jeu-là, j'y joue quand je suis fatigué. Ah, il manque un. Terrible désillusion. On pourrait mettre les caméras, mais... Donc là, j'ai le temps. J'ai le temps. Et on va faire celui tout à droite pour le lol. No postel C. Oh, c'est de la merde. On va faire l'autre. Oh, double récompense. Ok. C'est pas de s'enfuir. L'armement est raisonnable. Les moments sont truculents. S'il s'ambiance dans le shield, ça va... D'accord, ça, tout le monde s'en fout et je sais pas pourquoi il va dans l'O2. Alors qu'il va dans mes drones. Y'a pas de missile en face. On va s'en occuper à l'ancienne. Ah ouais, non mais il va dans l'O2, tout le monde s'en branle. C'est-à-dire que j'ai... Je voulais qu'il tabasse son shield. Il tabasse l'O2 et... S'en battent les couilles. Je suis un peu déçu. La petite brèche. J'ai envie d'éternuer. Mon infion. Tout va bien se passer. Ça tient. Merci. Ouf, allez, y'a plus d'armes. Have fun, boys. Rebrèche. Ah, le heavy laser, hein. Fantastique invention. Quelle fantastique invention. Oh, oh. On aurait pu se mettre les 4 boucliers en fait. On pourrait après le... On pourrait après le deuxième fight. En vrai.
Quoique, wish. Ah, 31, c'est que je fais 31. Elles sont pas ouf, les récompenses du dernier. Ah merde, Legumen. Y'a pas encore Master en shield ma bite. Oh, oh, un. Une recharge de bouclier, les maîtres. Salut Skaten. Ah, qui arrive à la toute fin. Toute fin. Bah, ça serait buffer en arme ou bien overkill esquive. Je l'ai jamais fait. Vas-y. J'ai jamais fait, non, j'ai jamais fait full. 120. Et il manque encore un. Terrible. Ouais, on va faire ça, c'est débile. 51% dodge de base. Très bien. Porte 3. Ah oui, porte 3, c'était mieux. C'était beaucoup mieux. C'est 50, c'est ça? C'est sûrement le prochain truc qu'on fait, du coup. Bonjour! Les embrouilles. Si on veut le 2. Ah, c'est chiant. C'est pas grave. Faire ça au début. On va pas mind control tout de suite. Un timing serein serré. Qu'est-ce que je bourre? Bon, on veut bourrer le bouclier, c'est sûr. Ah, maintenant il y a le drone, c'est vrai. Les drones, ça va être un moment. On va mind control pilotage, hein, pas de soucis. Les drones, c'est chiant pour le boarding drone et pour ce drone de défense de merde. Ah, c'est un défense drone 1? Ah, mais il tire sur le flak quand même, le 1. Je sais plus ce que je dis, je sais plus ce que je fais. Il y a les missiles qui sont chiants. Les drones dans les drones. Pourquoi il est pas? Oui, d'accord. Pas de panique. On gère. Alors ça tombe bien, lui il s'en fout de l'oxygène. Et j'ai oxygène 2 aussi, hein. Accessoirement, on va sûrement balancer la batterie soon. Par contre, plus avoir le mec dans les caméras, c'était 0, hein. C'était zéro, ce move. C'est bon. Oh oui. Un beau merdier. Voilà, j'ai envie de dire que la fête soit complète. Battez-vous dans le feu. Un peu greedy. Un peu greedy. Je pense que je vais tenter le cloak 2 ici. Normalement, on devrait gérer. Qu'est-ce qui meurt? Ah oui. Hâte de mourir, s'il te plaît. Ah, c'est con parce que les tuer auraient pu être sympathiques. Les randoms, là. Mais en vrai, lui, il est en train de bouger, donc c'est trop casse-couille. Power Surge. Ah, ça va peut-être piquer. Peut-être piquer. Mind Control. Trop tard.
Ouais, la mettre baie, ouais, on peut grider ça. Il n'y en a qu'un. Ah, l'autre deuxième arrive. On en a tué, on ne sait pas. Est-ce qu'on en a tué? On avait dit porte 3, bah c'est maintenant. Même si le 1 d'énergie en plus aurait pu être sympa. Donc faut aller le chercher. Eh hey, putain, mais c'est mon mantis dans les portes. Sale ambiance. Bon, quoi qu'il en soit, elles sont 3. Ah putain, il y a du monde encore, hein. Ensuite, attention, ça peut aller très vite. À moi. À mon avantage. Le fait que la batterie soit niveau 2, on va bien en profiter là, je pense. Allez. Oh. Nice move. Du drone de défense. Oh là là, c'est du génie. C'est du génie, les gars. Le lockdown, oui. On... En vrai, l'autre, il est en train de défoncer les portes. Le lockdown ne change rien. On peut le faire. Ils ne s'en iront pas. Power search. C'est pas tout de suite, mais c'est bientôt. Nice. Ok. On va laisser le cloak se faire. On sait jamais. Voilà, on en tue un autre. Et maintenant, il faut aller au tapin. Oh la brèche, oh la petite brèche. Ok. À vos postes. Des mind control sur les moteurs. 51% d'esquive. Les portes, ça va. Plus grand monde après tout. Ben voilà! Beaucoup de plaisir. C'est la medbay qui saute sur la puissance de la batterie. Beaucoup de plaisir avant tout. Il est plus dans ses moteurs. Le clocking est revenu.
Gros plaisir. C'est la panique dans le restaurant. Non, tout met pas ça à Jackie. Ils sont morts de décès. Voilà. RNB de rue. Bravo Julien Chiez, Marufa, Crystal Met, la boule de cristal, Mabit, Légumane et Vulvisa. C'est beau. Et ben vous voyez, finalement. Double flac et Villazerin. Ça casse des culs. On a été pas mal chanceux. Merci. On a été pas mal chanceux sur les drops au début de partie, début-milieu de partie. Espérons que... on n'ait pas utilisé tout notre capital chance. Vu qu'on a un petit cristal C... un petit stealth C. Hein, qui nous attend dans pas longtemps. Même si je pense qu'on va se le garder à la fin, feu d'artifice. Donc il nous reste stealth C, rock C et... cristal B, bien sûr. Ça coule 5800 points. Ah, vous pouvez essayer de piffer. Faudrait qu'on mette un... Ah oui, faudrait qu'on mette ça, un bot du pif. Comme les runners de Metroid. Qu'on doit piffer l'escape. Je sais pas, hein. Y avait pas de... On a fait de très bons secteurs, on a optimisé du scrap. On n'avait pas de scrap recovery arm, je sais pas à quel point ça impacte le score. Oh là là, vous avez tous... Je crois que tout le monde a mis au-dessus. Ah non, il y a eu des 3200. Mais après... tout le monde avait over... overbet, quoi. Alors que, vous savez, au juste prix... genre, Ekolali. Au juste prix, si on est au-dessus, on a perdu. RNB de rue. Donc, le top 5 ne change pas. Avec toujours la lucidité... Seul vaisseau à avoir dépassé les 6000 points. T'as un bot pour battre le score. Ah, c'est bon, ça. Michael. Bon, bah voilà. Ça, c'est fait. Il est 3h55. Je vais dormir 4h30. Si genre 4h30, fera longtemps que j'ai pas autant dormi. Bref. Des bisous, YouTube. N'oublie pas de mettre un pouce bleu avant de cliquer sur la vidéo Squeezie à droite. A plus tard.